Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Urgent, urgent, maximum de partage. Mamadi Doumbouya, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je t'avais conseillé ici. Et je t'appelais même mon beau. J'ai fait tout ça là pour que vous vous retrouviez. Mais t'as pas compris, Mamadi Doumbouya. Actuellement, c'est panique totale. Le bandit, il a compris. La situation économique de la Guinée est chaotique actuellement. Leur propre rapport l'a prouvé. Le peuple de Guinée, dans sa majorité, ceux qui ont applaudi le coup d'État ou le parti qui a été victime, sont tous dessus de ces bandits. Donc, le bandit Mamadi Doumbouya, il passe à l'offensive des arrestations. Et après avoir mis 42 généraux, des commandants à la retraite, le voyou, il n'est pas encore satisfait. Maintenant, c'est des arrestations. Tous les soldats qui ont été formés au temps du président Alpha Condé, le voyou est en train de les arrêter. Mamadi, toi, légionnaire, tu viens détruire toute une armée. Toi, le légionnaire, tu viens détruire toute une armée. Mais tu n'as rien compris, Mamadi Doumbouya. Je t'ai prévenu, tu n'as pas compris. Je t'ai prévenu, tu n'as pas compris. Mais comme tu as cherché, tu as trouvé. L'armée guinéenne, je vous ai prévenu. Je vous ai dit, ces bandits l'avons détruit. Comment un petit gendarme comme Idi Amin, on le met à la tête de l'armée. Et vous voyez le désordre. Et après le 5 septembre, on vous dit non, c'est le coup d'État. C'est le coup d'État de l'armée guinéenne. Pendant ce temps, Mamadi Doumbouya et ses amis sont en train de dilapider tous nos biens. Sont en train de s'enrichir. Ils sont en train de construire des châteaux. Et vous, l'armée guinéenne, vous êtes où aujourd'hui? Je vous ai prévenu. Maintenant, regardez vos frères qu'on arrête dans ces deux jours-là. Les unités qui ont été formés au temps du président Alpha Condé. Même lui-même, les forces spéciales, ont été formés au temps du président Alpha Condé. Aujourd'hui, le bandit a peur. Le bandit ne dort plus. Même pas de communiquer. Même les radios privées aujourd'hui. Des arrestations massives. Personne n'en parle. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Où va la Guinée? La Guinée, Ndi Folane Obé, je vous ai parlé de ça. Depuis le début, vous n'avez pas compris. Je vous ai averti sur ça. Que ce bandit allait détruire la Guinée. Ce bandit de Mamadi Doumbouya. Autant la Guinée sorry. Hein? Autant la Guinée sorry. Non, Folane Obé, je vous ai prévenu là-dessus. On va faire tout son nom. Vous avez vu vos conditions de vie aujourd'hui? Des blacros, j'ai dit bien, des blacros viennent vous prendre. Des bambins, des gens qui n'ont pas de promotion dans l'armée. Des blacros, eux, ils viennent vous gérer. Ah non, l'armée guinéenne, non, vous êtes tombé bas. Comment des blacros vont venir vous gérer de la sorte? Quelqu'un qui n'a même pas de promotion. Des gens qui n'ont même pas de promotion viennent vous gérer de la sorte. Comment des gendarmes peuvent venir vous gérer de la sorte? Je vous ai dit. Je vous ai prévenu là-dessus. Regardez vos conditions de vie aujourd'hui. Vos amis des arrestations, on les met en prison. Vous êtes assis. Vous regardez. Et pourtant, le menteur, le traître, le gros menteur, Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, ce qu'il avait dit, vous avez oublié ce que le traître avait dit le 5 septembre. Ce que le traître avait dit le 5 septembre. Maintenant, il a peur de vous, l'armée guinéenne, et le bandit est en train de vous déstabiliser tous. Parce qu'il a peur, il a compris que non, le vent ne souffle pas de son côté. Le vent ne souffle pas de son côté actuellement. Mamadi, wallahi, tu ne verras pas venir. Tu ne verras pas venir ce coup-là, Mamadi. Si tu veux, faut arrêter toute l'armée guinéenne. Mais wallah, tu vas partir. Voilà. Mamadi, je dis, tu ne verras pas venir le coup là. Et tu as fait ton coup d'état le 5 septembre.
Tu as trahi ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Le 5 septembre, tu lui as trahi. Tu dis non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu dis non, la misère. Tu dis gabegie. Tu dis troisième mandat. Bandit que tu es, tu n'as rien compris. Monsieur le bandit, tu n'as rien compris. Voilà. Monsieur le bandit, tu n'as rien compris. Moi, je t'ai déjà dit, Mamadi. Wallah, tu vas mal finir comme Robert Guéhi. Tu vas mal finir comme Samuel Do. Parce que tu penses que non. Tu penses que toi, tu es intelligent. Attendez. Il y a des maudits là, je vais les bannir sur cette page. C'est le général. Parce que. On vous bannit ici. Je vous ai dit, tant que vous êtes assis, l'armée guinéenne, le bandit va vous décapiter un à un. Tant que vous êtes assis, vous avez peur, il va finir avec vous. Actuellement, là, qui a son soutien? Lorsque ces bandits ont fait le coup d'État, c'était où? C'est pas sur l'Axe. L'Axe ne veut rien entendre de ces gens-là. L'Axe ne veut rien entendre de ces voyous. L'Axe ne veut rien entendre de ces voyous. Ils pensent que non, ils peuvent gérer la Guinée, prendre la Guinée en otage. L'armée, on a confiance en vous. Okeli, Otide, l'armée guinéenne, Okeli, Odi Bandi Sougou, Di Fouyante, ouais Sougou. Parce qu'actuellement, ils ont peur. Tout ce qu'ils ont dit le 5 septembre, est-ce qu'ils ont respecté? Des gros menteurs, des gros marionnettes, des gros têtes. Situation, Abara Kanera, il n'arrive plus à dormir. Il se dit, à tout moment, on peut taper sur lui. On arrête des innocents. Quoi? Parce qu'ils ont été formés au temps du président Fakonde. Et toi, le bandit Mamadi Doumbouya, tu as été formé par qui? Grâce au gouvernement de qui tu as été formé? Le traître, tu n'as rien vu. Tu ne vas pas dormir. Ça a commencé. Le peuple de Guinée a compris. Un gros menteur, un gros traître. La situation du pays, tu ne peux pas. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois, ils ne sont pas payés. Monsieur le menteur, tu es en train de casser les biens des gens. Monsieur le menteur, Mamadi Doumbouya. Un gros traître. Regarde le pays aujourd'hui. Les fonctionnaires, au temps du président Fakonde, 23, 24, 25, ils étaient tous payés. Monsieur le menteur, monsieur le marionnette Doumbouya. Tu n'as rien compris. Wallah, tu ne vas pas dormir. Et regarde ton visage aujourd'hui. Tu ne fais que dépérir. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas fermer tes yeux. Tu ne peux pas fermer tes yeux. Un menteur comme ça, là. Tu viens qu'au nom, voilà, refondation. 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 Bandit que tu es. Refondation. Ton peuple ne mange pas. Refondation. Tout est gâté dans le pays. Refondation. Alpha Diobaldo, il ne faut pas les insulter. Laissez-les. Et moi, le général, depuis le 5 septembre, vous me voyez chaque jour. Je ne dépéris pas, je suis toujours en forme. Donc, si quelqu'un vient insulter, ne les répondez pas. Actuellement, c'est ce qui se passe au sein de l'armée. Parce que les voyous, ils ont peur de l'armée aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont menti à l'armée. Ils ont menti au peuple de Guinée. Il faut payer, acheter les consciences. Mais je vous ai dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Y'a yeah. Donc, la CDAO, accélérer les choses. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, les voyous sont venus. Ouais, c'est le coup d'état de l'armée guinéenne. Des gros menteurs. Je dis bien, des gros menteurs. Des gros menteurs. Des gros menteurs. On est en train d'arrêter l'armée guinéenne aujourd'hui. Des innocents. Parce que le bandit, il veut juste passer à l'offensif. C'est-à-dire arrêter des gens dont il a peur. Mais maman a dit, quoi que tu fasses, tu vas tomber. Mbra ou founyene, mko srakatala, srakatilakola, srakatala, inshallah. Il dit, ben, faut être ça. Djamfate, djamfa il a bana djamfalema. Eux-mêmes, ils ne vont pas trahir. Non, Ismaël Faliga, ça va. Moi, mes directs, ça va. Ils peuvent rien contre mes directs. Mais ce qui reste clair, les voyous actuellement, ils vivent dans la peur. Dans les camps aujourd'hui, les militaires sont surveillés comme des enfants. Mais ça ne marchera pas, Mamadi. Quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Quoi que tu fasses, ça ne tiendra pas.
L'armée guinéenne, je vous ai dit, vous n'avez même pas besoin d'aller au palais Mohamed V. Il suffit d'une déclaration. Les commandants, là, vous décidez aujourd'hui. Le peuple de Guinée vous accompagne. La communauté internationale vous accompagne. Le bandit a trompé tout le monde. Lorsqu'il a fait le coup d'État, il a trompé le président Alpha Condé. Ils ont trompé tout le monde. Les gros menteurs, ils ont dit, sinon, c'est le coup d'État du président Alpha Condé et du bandit Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. Ceux qui les ont supportés dès le départ... Attendez, il y a des maudits là. Et moi, j'aime ça. Hein. Je vous bannis. C'est pour vous dire que nous, on ne cherche pas de vues. Le général est déjà au top. Donc, les bandits, actuellement, ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. Les militaires sont surveillés comme des bébés. Parce que le bandit a compris. Il ne peut compter que sur l'armée. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui vit dans la faim. Le sac de riz qui était à 200 et quelques et à 300 et quelques. Combien de travailleurs à la fonction publique? 14 500 à la retraite. Tous les PME aux arrêts. Donc le bandit a compris. Oui, l'armée, il faut contrôler l'armée. Mais Mamadi, tu oublies que tu n'as pas de promotion. Et ton grand Idi Amin n'est qu'un gendarme. Vous ne pouvez pas manipuler. Tous ces gens qui sont là, à Fankrebe, c'est grâce au président Alpha Condé. Les 11 ans. Donc Mamadi, tu ne peux pas. Tu vas beau mentir, ça va te rattraper. Tu vas beau mentir, Mamadi Doumbouya, ça va te rattraper. Aujourd'hui, c'est pourquoi tu as peur. Tu commences à arrêter les militaires. Moi, c'est ce que je veux même. Il faut arrêter beaucoup. Côte d'Anatimine et Kabadjibéa. Quand ça va déborder là, là maintenant, on va attendre pompon. On va dire trop, c'est trop. Continue d'arrêter les militaires. Bandit que tu es, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as pas de promotionnaire. Un bandit, on t'a nettoyé. On t'a lavé. Te mettre à la tête de force spéciale. Le gros menteur qu'on nomme gabegie financière. Bande de voleurs. Tu es en train d'acheter des maisons partout aujourd'hui. Ton clan est en train de construire. Ta famille est en train de construire. Bande de menteurs que vous êtes. Vous n'avez rien compris d'abord. L'armée, asseyez-vous. Hein? Asseyez-vous. Laissez-vous. C'est-à-dire, ce voyou, ils vont vous détruire. Asseyez-vous. Moi, je vous ai dit dès le départ, les généraux qui sont restés assis, ils sont où aujourd'hui? On les a mis à la poubelle. Les commandants, je vous ai prévenu, vous êtes où? Et pourtant, le 5 septembre, le bandit est en train de dire, oui, c'est l'armée qui m'a fédéré. Vous avez vu dedans maintenant. Un gros menteur, un gros traître, un gros toto, il n'a rien dans la tête. Même son entrée en 7e, à Taboro. Et bandit, si il y a un ici, il y a un croisé, il y a un Fisri l'on balilou. Fouital kuno. De pelou nani. Breyani breya. Fouital kuno. Kambre balou. Solou. Drogou frelalou. Alena si damana kuno. Anyansi kambro croisé. Même ta fali nyana depuis le 5 septembre. Mais Adidou Albedaro. Adidou Albedaro. Parce qu'on vous a prévenu là-dessus. Si l'armée avait décidé. Ok, le coup d'état s'est consommé. Si vous aviez décidé de mettre un autre militaire. Conscient, républicain, la situation du pays ne serait pas où nous en sommes aujourd'hui. Mais vous avez eu peur. Vous avez eu peur. Et le bandit aujourd'hui et son clan de tonneau vide. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez des ministres, des fouillantins que vous voyez. Est-ce que ceux-là, par rapport aux ministres du Mali, du Burkina, comparez les putschistes du Burkina, les ministres putschistes au Burkina et les ministres putschistes en Guinée. Ça veut dire quand tu les regardes même, tu es découragé. Des tocards, on ramasse des tocards qu'ont des ministres. La valeur de ministre est bafouée en Guinée. Sur 1000 personnes que le bandit a nommées par décret, plus de 500 ont des faux diplômes. Et avec ça, que le pays va aller. Vous savez, les militaires, je vous ai dit, les deux mois à venir, c'est là que vous allez comprendre que, non, Damaro avait raison. Je vous ai dit, les deux mois à venir, là, c'est là encore que vous allez vous asseoir pour dire, non, le petit avait raison. Vous savez, aujourd'hui, plus de 1 milliard et demi qui étaient dans les caisses, les voyous ont déjà tout dilapidé. Maintenant, ils sont en train de prendre crédit auprès des banques privées. Ils ont endetté le pays. Nous sommes à peu près jusqu'à 500 millions de dollars. 500 millions de dollars actuellement.
Vous êtes assis. Ils continuent encore à prendre crédit. Et les bandits n'arrivent plus à faire de recettes. Parce que le pays est géré comme si c'était une entreprise privée. Comme si c'est un magbana. Voilà, Mamadi appelle. Il dit, ok, la recette, envoyez ma part. D'où est l'autre aussi. Amara appelle, envoyez ma part. Et c'est pourquoi il n'y a pas de recette. Sinon, les bandits sont venus, ils ont doublé les taxes. Et avec ça, on va s'asseoir et regarder. Je vous ai dit, asseyez-vous. Ils sont en train d'arrêter vos amis. Si toi, tu te dis que non, tu n'es pas dedans. Wallahi, wallahi, ils vont venir t'avoir. Toi, tu vas rester assis. Ah, n'est-ce pas problème fait. Wallahi, problème d'initiation. Comme le disait le journaliste burkinabé qui a été assassiné, Norbert Zongo. Pareil, paix à son âme. Ça dit, toi, tu dis non, c'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Il faut rester assis. Le problème va venir te trouver. Je vous ai dit, vous les commandants, là, vous qui êtes assis là, c'est les lakounous qui vont vous commander demain. C'est les jeunes là qui vont vous commander demain. Parce qu'arrivé à un moment donné, tous ces lakounous là, ceux qui n'ont même pas de grade là, ils vont se lever. Et ils vont dire non, c'est fini pour vous. Des bandits réunis comme ça. Attendez. Les gars, vous les Burkinabés maliens là, ceux qui soutiennent les putschistes là, ici là, on parle de la Guinée d'abord. On parle aujourd'hui de la Guinée. Voilà. Si vous ne voulez pas être bloqué là, restez dans vos coins. Quand je viendrai après parler du Mali là, venez avec vos missiles là, d'insultes là. Nous, on est vaccinés. Mais ici là, on parle. Le bandit de Conakry, le légionnaire de Conakry aujourd'hui, il vit dans la peur. Il est paniqué. Le bandit a mis 14 500 personnes à la retraite. Et le bandit est incapable de recruter. Le bandit aujourd'hui, les boursiers guinéens, le bandit est incapable de payer les boursiers guinéens. Le bandit est incapable de payer les agriculteurs de Sogipa. Le bandit aujourd'hui, il est incapable, les enseignants contractuels, de les payer. Le bandit aujourd'hui, il est incapable de payer les retraités. 14 500 personnes à la retraite. Le bandit est incapable de les payer. Le bandit est incapable aujourd'hui de donner la prime des militaires. Le bandit a menti aux éléments de force spéciale. Les enfants aujourd'hui sont dispersés à travers le pays. Mamadi n'est qu'un simple menteur, un simple bandit. C'est tout. Un simple menteur et un simple bandit. Ceux qui ont applaudi le coup d'État. Qui était le leader? Ella Sélou Dalé. Où est le président Sélou Dalé aujourd'hui? Hors du pays. Est-ce que le bandit a rassemblé les Guinéens? Est-ce que le bandit a uni les Guinéens? Où se trouve Sidi Touré? Où est Fonke Mangue? Mamadi Doumbouya n'est qu'un simple bandit. Il n'est qu'un simple bandit, un simple traître. C'est ça la vérité. Mais les Guinéens commencent à comprendre. Voilà. Non, non, non. Mon frère, il ne faut pas dire ce que tu disais, c'est maintenant vous comprenez. Moi, je vous ai dit dès le début du coup d'État, j'ai dit vous avez affaire à un bandit de grand chemin. Demandez son passé en Hollande. Allez-y, demandez. Hein? Voilà. Demandez. Allez-y en Hollande, vous demandez. Demandez le CV de Mamadi Doumbouya. Demandez le passé de Mamadi Doumbouya en Hollande. Demandez le passé de Mamadi Doumbouya dans la Légion. Il a été viré de la Légion pour indiscipline. Et le bandit vient, on le nettoie. On le nettoie très bien. On le nomme à la tête des forces spéciales. Et le bandit vient s'arrêter que lui, il est démocrate. Le bandit vient s'arrêter qu'aux pauvreté. Le bandit a quoi dans la tête? Il a quel savoir-faire? Ce bandit a quel savoir-faire? Donc, moi, je vous ai dit, pas de recul et rien ne va nous faire reculer. Rien, Mamadi. Wallah, tu vas voir, tu vas bien sentir. Nallah, tu vas bien sentir. Moi, je t'ai dit, quoi que tu fasses, tu vas mal finir. Quoi que tu fasses, tu as dérangé tout le monde. Les opposants, les militaires, ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Mamadi, tu n'as pas de su. Tous ceux qui parlent, oh vive Mamadi Doumbouya, ça c'est des blabla. Ça c'est des blabla, Mamadi Doumbouya. Ça c'est des blabla. Tu n'as aucune chance de te maintenir, Mamadi. Ça va chauffer, ça va péter. Et tu vas sauter, Mamadi. Quoi que tu fasses, tu le sais bien. Tu penses que c'est en bloquant des militaires là que c'est ce qui va t'aider? Et le bandit, toi tu n'as pas dit que c'est l'armée qui t'a mis là.
un bandit le 5 septembre, voilà, c'est l'armée, voilà, c'est nos amis qui ont décidé de me mettre là. Gros menteur, un simple traître d'enfanté. Faut d'enfanté. La Guinée, tous ceux qui ont cru en toi, aujourd'hui même les panafricains, là, ils sont déçus de toi. Tu n'es qu'un simple légionnaire, un simple manipulateur. Via Fola Loufa. Ok, attendez, vous allez écouter son discours. Je vous dis, le gars, non, il m'énerve. Non, moi, soutenir un menteur, soutenir un traître, non, ça y a qu'à Fissanoué. Ça y a qu'à Fissanoué, bandit soutenu. Ça y a qu'à Fissanoué. Ah! Ton bienfaiteur. Hein? Un gros menteur, ce type. Écoutez le bandit. Hein? Écoutez le bandit. Oh non, ça. Non, ils ont mis ça en anglais. Je ne veux pas en anglais. Je vais vous mettre en français. Un gros menteur comme ça, Via Fola, où il fallait. Hein? Là, tu vas venir t'arrêter devant Noko. La famille, le bandit a peur aujourd'hui. Il a peur. Toi qui me dis qu'on m'invite pour le concert. Sayam Afsanoué. Voilà. Bonjour et bienvenue dans l'entretien. Écoutez-le. Hein. Qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité. Écoutez-le. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a quelques mois, un bandit comme ça, écoutez-le. Vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi? Écoutez-le. Vous renversez, vous qui lui devez votre place. Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions. Écoutez-le. Liés souvent à la tension sociopolitique de notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ok. Ils se regardaient. Les Guinéens ne se regardaient pas. Toi, le bandit, aujourd'hui, tu es venu. Les leaders de ce pays-là, tu es en train de les humilier. Sidya Touré, et là, celui-là, le président Fakonde, gros menteur, écoutons. Comme des adversaires politiques, la gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre. Quoi, la gabegie financière? Ce bandit de Mamadi Doumbouya porte une montre de 400 000 dollars. Toi, tu l'as pris où? Tes bâtiments que tu es en train de construire. Un menteur comme ça, gabegie financière. Responsabilité. Et la responsabilité qui est grande pour nous. D'abord, j'ai dit depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant. Parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à... Écoutez-le. Vous avez servi Alpha Condé. Voilà. Vu ça, vous n'y avez pas participé. Vous vous sentez pas un peu... Écoutez. Vous m'avez dit comptable de tout ce qui se passait. Voilà. Vous savez... Ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour... Regardez ce menteur, ce gros menteur, que par amour, j'ai laissé l'Occident. Tu étais en Occident, qu'est-ce que tu faisais en Hollande? Vendeur de drogue. Aujourd'hui, ton casier est sale là-bas. Menteur, tu étais dans la Légion française. Tu as été viré pour indiscipline. Toi, tu viens te flanquer comme par amour. Quel amour? Tu as quitté la Guinée comment? Il faut dire ça aux gens. Si ce n'est pas Idi Amin, tu es venu comme par amour. Il y a 10 ans, j'ai décidé. Tu étais quoi? Qui a créé les forces spéciales? Gros menteur. Je vous dis, ce type, c'est un menteur. Un gros menteur. Voilà. Un gros menteur. Un professeur dans le mensonge. Écoutez-le. Moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir? Voilà. Non, j'ai décidé tout seul. Quand c'est pas le professeur Alpha Condé. C'est-à-dire, hein, non, les gars, avec un gros menteur comme ça, quoi, j'ai décidé tout seul. Je suis venu. Les forces spéciales, c'est lui qui l'a créé. Ah!
Wallah, le type là, le jour qu'ils vont l'attraper, je jure, j'irai, ça dit, je ne vais pas lui frapper. J'irai m'arrêter à côté de lui. J'ai dit, mais pourquoi tu es un menteur de la sorte? Ça dit, il m'énerve, ce type là. Vous-même, vous l'écoutez, j'ai décidé tout seul. On dirait qu'il est tombé du ciel. On dirait que les forces spéciales existaient avant. Un gros menteur, ce type-là. Mamadi Doumbouya. C'est ce Moudira Fou, les Falais et Baba. Fissiru Lombali et Baba. Shaitan, bonsoir. Un gros menteur que lui, il a décidé tout seul. Écoutez encore. Non, il m'énerve, ce vaurien-là. Le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu deux fois. La première fois. Vous écoutez le menteur que le président Alpha Condé, quelqu'un qui a créé les forces spéciales. Toi, te mettre à la tête de forces spéciales. Si je vous dis, même le dernier voyage du président Alpha Condé en Turquie, lors de l'exposition militaire, s'il y a des équipements que le président Alpha Condé a achetés, c'était encore pour ce voyou, pour ce menteur, pour ce traître de Mamadi Doumbouya. Que moi, j'ai vu le président Alpha Condé deux fois. C'est là, il a même, non, c'est-à-dire son mensonge, il a bien couronné ça. Un gros menteur comme ça. Qui va créer les forces spéciales? Bien armé. Moi, j'ai vu le président Alpha Condé deux fois. Un gros menteur comme ça. Écoutez encore. Quand c'est lui, c'était le 10 octobre 2018. Fête d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Bon, la famille. Non, mais la famille. Vous-même, vous avez compris qu'on lui s'est vu deux fois avec le président Alpha Condé. La fête de l'indépendance, quand c'est ce jour-là, il a vu le président Alpha Condé. Et lors d'un décès, cérémonie de décès, que c'est là. Qui va créer les forces spéciales? Une unité puissante. Le président ne te connaît pas. Mais je vous dis, c'est pourquoi je dis, c'est un gros menteur. Un gros menteur, ce type-là. Un Fissiri Lombali, Mamadi Doumbouya. Écoutez encore. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas... Bon, vous avez vu? Awa, c'est ce que... J'ai mis la partie là pour vous les militaires. Que la loyauté entre un homme et le pays, que ce choix est... C'est-à-dire c'est facile. Et il a parfaitement raison. La loyauté entre le peuple et un individu, ça le choix là c'est facile. C'est-à-dire il faut choisir le peuple. Bon la famille, le jour du coup d'état, c'est pas sur l'axe que le bandit se promenait. Combien de jeunes de l'axe sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe? Attendez, il y a un maudit là, je vais le bloquer vite, on continue. Voilà, lui il est banni. Non, ne lui répondez même pas. Donc, combien de jeunes sont tombés? Le président Sélou Dalé, qui a fait des tournées internationales pour ce bandit là, il est où aujourd'hui? Sidya Touré, il est où? Sidya Touré est où aujourd'hui? Je vous ai dit. Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un simple Fissiri Lombali. Un simple Fissiri Lombali, Mamadi Doumbouya. Bon, suivant le reste, vous allez comprendre que c'est un gros menteur ce type. J'étais venu pour servir la République de Guinée et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était... Que lui, il n'est pas venu pour servir un homme. Donc l'armée guinéenne, vous n'êtes pas là pour servir un homme. Vous êtes là pour servir le peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée, dans sa majorité, est dessus de ce bandit. Et c'est pourquoi le bandit est en train d'attraper vos amis aujourd'hui. Il passe à l'offensif. Le bandit a peur. Le bandit a peur. Ok, toi, quoi, le roi, quoi, là, tu ne verras plus cette page. Attendez, je vais le bannir d'abord. Voilà. Attendez. Lui aussi, il est banni. Facebook est doué. Nous, on n'insulte pas, on a été bien éduqués. Mais les bandits, là, on va bien frapper les bandits, là. Ça... Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violences politiques, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussé devant l'histoire. Bon, regardez le bandit qui parle qu'il y avait la gabegie. L'inspecteur de l'État,
à faire le rapport. Les bandits ont modifié ce rapport 3 fois. Plus de 2000 milliards détournés à leur temps. Mais le rapport que eux-mêmes ont publié, 448 milliards de francs guinéens, à peu près 48 millions de dollars, 48 millions de dollars. Le petit temps de ces bandits-là, c'est ce qui a disparu. Et personne n'est arrêté. Et pourtant, ce bandit est en train de dire hier, c'est à cause de la gabegie financière. Et pourquoi ce bandit, aujourd'hui, lui-même son temps, il est venu trouver de l'argent dans les caisses. Et les bandits ont dilapidé cet argent. L'inspecteur de l'État fait le rapport. 448 milliards. Et le bandit n'a pas arrêté quelqu'un jusqu'à présent. Personne n'a été poursuivi. Et d'autres sont arrêtés. Ça fait plus d'une année. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien contre eux. Et ils parlent de justice. Je vous dis, Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre. Un simple fils Rilombali. Un simple fils Rilombali. Voilà. Vous qui ne connaissez pas la page du général, pour ne plus voir, quand tu dis le nom de Doumbouya, tu es bloqué. C'est automatique. Ici, là, tu dis le nom du bandit, tu es automatiquement bloqué. Tu ne verras plus la page du général. Voilà. Donc, la famille, restez serein. Le film, ça devient intéressant maintenant. Parce que le chef bandit a peur maintenant. Mamadi Doumbouya, il n'arrive plus à dormir. Il pense que oui, c'est les militaires qui vont bloquer le peuple de Guinée à sortir. Aujourd'hui, il ne dort plus. C'est-à-dire, c'est dans les casernes. Les Bélés Rouges, il les a déjà mis à l'intérieur du pays. Maintenant, c'est la promotion d'Angola qu'ils sont en train d'enlever actuellement. La promotion d'Angola, tous ceux qui ont été formés au temps du président Alpha Condé, ils sont en train de les détruire. Vous avez vu Soronconi, il prend des décrets, même Bata, parce que les gens de Bata, eux, ils ne veulent pas que ce bandit-là prenne un décret pour dissoudre Bata. Comment un légionnaire, un bandit de grand chemin, va venir détruire l'armée guinéenne? Aurait été lui seulement, il allait prendre ce décret-là, détruire Bata. Regardez le recrutement militaire. Les gens font le test, la formation est presque finie, et ils prennent ces gens-là aujourd'hui, on les jette à la poubelle. Plusieurs personnes, la formation des militaires. Parce que le bandit est en train de créer une armée dans l'armée guinéenne. Mais ça ne tiendra pas, Mamadi. Wallah, ça ne tiendra pas. Quoi que tu fasses, Wallah, Ibn Toli. Fouita ça, sera katal. Bravo, Nyene. Fouita ça. Fouita ça là. Quand le sac de riz a combien? Mon frère, il faut demander les Guinéens. Le sac de riz avant le coup d'État, c'était combien? 200 et quelques. Aujourd'hui, nous sommes à 300 et quelques. Le port de Conakry, le dédouanement, où nous payons 1000 dollars, les bandits sont venus, on paye 2000 dollars. Demandez les Guinéens aujourd'hui, le sac de lait, le bidon d'huile, c'est combien? Les bandits sont venus rendre la vie difficile aux Guinéens. Voilà. Attendez, toi, quoi là? Moi, j'aime. Hein? On a ça tout, nos bannibés. Donc, vous ne pouvez rien dire. Votre fils Rilombali de Mamadi, là, celui qui lui a lavé, là, il était légionnaire, sans grade. C'est le pouvoir du président Alpha Condé qui a lavé ce bandit de Mamadi Doumbouya. Donc, ben, Et à coup d'État, il a fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État. Donc, il n'a qu'à s'attendre à un coup d'État. C'est très simple. Il a fait le coup d'État, il n'a qu'à s'attendre à un coup d'État. Donc, c'est l'un côté Oro. S'il veut, il n'a qu'à attraper toute l'armée guinéenne. Et moi-même, c'est ce que je veux. Et c'est ce que je veux. Il faut commencer à attraper. Ça dit, c'est là, les soldats vont se lever. Ah, si on ne fait rien là, c'est fini pour nous. Continuez à attraper les gens. Des bandits comme ça. Vous pensez que vous impressionnez quelqu'un? Des bandits de grand chemin, des gros menteurs. Ah, les Guinéens ne se parlaient pas. Ah, aujourd'hui, les Guinéens se parlent. Des gros menteurs. Nafilou, Viafolalou, Cambrébalou, Solou, Drogfrelalou. Hein? Des bandits comme ça, Kanaka, Kadjamanata en otage. Kadjamanata en otage. Donc, je vais
m'arrêter ici sur le cas des bandits. Voilà. Mes amis panafricanistes, ce soir, nous allons encore parler de la CEDEAO et de ce qui se passe au Niger. Donc, ne répondez pas aux insultes. Nous, on est habitués. Mais frapper sur les bandits, là, rien ne va nous arrêter. Donc, ne répondez pas. Ils peuvent insulter comme ils veulent. Ils sont combien ici? Moi, ma page est toujours là. Ils peuvent rien contre cette page. Voilà. Ils peuvent rien contre ma page. Donc, laissez-les, ils vont insulter. Ça ne fait ni chaud ni froid. Moi, si je veux parler aux bandits de Conakry, ils savent. C'est eux qui parlent ici. Sinon, les bandits de Conakry, eux, ils savent qui est le général 5 étoiles. Est-ce que le général, on doit présenter le général à quelqu'un aujourd'hui? Eux, ils savent qui est le général 5 étoiles. Les bandits de Conakry, là, ils savent qui est le général. Donc, leurs insultes, là, c'est eux qui vont venir. C'est eux qui payent leur passe. Ils viennent encore écouter. Ceux qui ne veulent pas entendre, là, en tout cas, je mets dedans. Pac! Voilà. Je vous ai dit, laissez, moi je ne dis même pas leur nom ici. On les bannit et on avance. On les bloque et on avance. Voilà. Donc, merci Maître Diaz, merci à vous. Tidiane Diallo, merci, on est ensemble. Diawara Bakar, merci à vous. Merci à tous les vrais patriotes. Merci. Merci à Doumbouya Moussa. Vraiment. Doumbouya Thier est un vrai bandit. Un vrai bandit. Un bandit de grand chemin. Voilà. Non. Moi, je vous ai dit, ne les répondez pas. Le général 5 étoiles, moi, je suis là. Je les ai dit, je suis prêt. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à venir chez moi. Je vais leur donner un petit cadeau. Venez. Ils n'ont qu'à vous donner l'argent ici à Philadelphie. Cherchez le général. Quand vous allez faire le mal au général. Moi, je vous ai dit. Non, moi, je vous ai dit, vous pouvez insulter, insulter comme vous voulez. Moi, tout ce que j'ai dit sur le bandit Mamadou Doumbouya, aujourd'hui, combien de Guinéens appellent le général aujourd'hui? Qui avait raison, Ansou Damaro? Qui avait raison sur les bandits Mamadou Doumbouya, Ansou Damaro? J'avais tout dit. Et le combat jusqu'à la fin de ces bandits-là. Et je vous ai dit, l'armée guinéenne n'a rien à voir avec le coup d'État. Le bandit est venu tromper tout le monde. Voilà. Private Ake, merci à vous. Ibrahim Nabe Nabe, merci à vous. Siken Siken, merci. Voilà, le combat continue. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Doumbouya Ablaï, Mario, merci à vous. On est ensemble. Voilà, Diaka Sar, merci à vous. Kone Ahmed, merci. Alexandre Aoussou, merci à vous. Donc, aujourd'hui, les militaires guinéens aujourd'hui, ils sont désarmés. Ils vivent dans la peur aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut chanter le nom de ce bandit-là, Mamadou Doumbouya. La Guinée sort et tôt. Et Birindor et Garo. Fouira Mamadou Doumbouya, photo Nantongoya Sabé. Ici, il Sabé. Dit bandit. Abara Famoura sort et Kuna Kana. Dit Fissiri Lombali. Dit légionnaire. Dit Migi Kobi. Abara Fabor Kuna Kana. Un gros menteur. Je vous ai fait écouter la vidéo pour que vous-même vous analysez que ce type c'est un menteur. Moi, c'est le. J'ai dit, je suis contre les coups d'État. Sinon, vos poutistes, Burkinaba, Maliba, ils sont 10 000 fois mieux que le poutiste de Conakry. L'autre est un légionnaire. Bon, les autres luttent contre le patron de Mamadi. Vous avez vu la différence? L'autre, c'est un légionnaire. Et vous savez, c'est quoi la légion? Et l'autre, les autres, ils luttent contre les patrons de Mamadi. Vous voyez qu'ils sont opposés. Ils sont opposés. Donc, le coup d'État de la Guinée, le peuple n'était pas dans les rues, rien du tout. Parce que c'était des narcos. Des narcos. Il y a des gens qui étaient contre le président Alpha Condé. Des Occidentaux. Et le bandit était un narco. Il a profité de cette situation, renversé son bienfaiteur. Et l'ingrat continue à marcher sur la dignité du président Alpha Condé. Que nous nous sommes maudits, on va venir applaudir un vaurien. Quelqu'un qui n'a même pas son entrée en septième, moi je vais venir applaudir pour ce vaurien. Quelqu'un qui n'a pas de promotion dans l'armée, un Fissiri Lombali. On a tout fait pour lui. Voilà. Donc, Sila, merci à vous. Sila Alseni, merci mon frère. Merci à Ousmane Nazer, Ousmane, voilà. Ma soeur Fanny, merci. Merci à vous. Merci à Dan Sako, voilà, le combat continue. On est ensemble.
Vive l'armée guinéenne. Vive les forces vives. À bas les putschistes. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. Donc les panafricanistes, on se reprend dans 3 heures du temps, Inch'Allah, le temps pour le général d'aller compléter son argent. Parce que les salauds sont assis là-bas, ils ne veulent pas travailler qu'au panafricanisme. Merci à tout le monde, on est ensemble. Bonne soirée à vous.